ce petit personnage représente un petit bonhomme qui est l'effigie du grand monsieur Saint-Nicolas, qui était le précurseur du Père Noël en Belgique. Donc c'est une petite, un petit clin d'œil en forme de brioche qu'on met en place pour tout le mois de décembre et puis plus particulièrement pour ce week-end, puisque dimanche ce sera la Saint-Nicolas. L'année dernière, en 2008, à travers le dynamisme des équipes et d'autres actions mises en place, nous avons pu reverser un chèque de 25 000 euros à l'association. Ce que c'est exactement, non, exactement, je ne sais pas. Je sais qu'on chantait des chants dans notre école, petit, mais après, voilà. Je ne connaissais pas la région, la légende de Saint-Nicolas, parce que je n'étais pas dans la région avant. Donc j'ai connu la légende de Saint-Nicolas en arrivant ici, dans le Nord. Je sais que j'en ai fait profiter mes enfants de nombreuses fois à cette époque-ci, en leur offrant des cadeaux, également des petits personnages en chocolat, variés, chocolat au lait, chocolat noir. Et ça leur faisait toujours un grand plaisir. C'était un moment de préparer Noël aussi. C'était une étape entre la Saint-Martin et Noël. Entre deux, on trouvait donc la Saint-Nicolas. Et c'était un plaisir familial très agréable.